Ah, ça y est, moi je suis bonne, vous m'entendez bien? D'accord. Ça va là? Oui, tout à Bon, fait. super. J'étais au MIT à l'époque, et là, j'ai rencontré. Enfin, j'étais fatiguée ce jour-là, je me disais, j'ai besoin de vacances. Et juste au coin du couloir, je rencontre une collègue qui me dit. On cherche quelqu'un pour faire des conférences parce que Noam va aller au Brésil et on voudrait bon, quelqu'un qui donne des cours d'introduction à la linguistique générative, etc. Cette personne m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait envie de... J'ai dit, oui, moi. Donc voilà, je me suis retrouvée au Brésil. J'y suis restée un mois, je crois. Et au moment de partir, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bon, ça te dirait pas d'aller voir les Mundurucus? Parce que j'ai dit, bah, les Mundurucus, qu'est-ce que c'est? Et on me dit, bah, écoute, c'est une tribu qui vit dans l'état de Pará, en Amazonie. Et j'avais 2, 3 jours pour donner ma réponse. Moi, à l'époque, bon, bah, j'ai été un linguiste, bon, simplement, par hasard, je me trouve là. Il faut bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai regardé un peu la langue, etc. Et je commençais déjà à m'intéresser à cette histoire de nombre. Alors quand je suis arrivée chez les Mundurucus, j'ai dit, bah tiens, on va regarder. Et à ma plus grande surprise, il n'y avait pas de nombre au-dessus de 3, 4, bon, peut-être 5 avec cette histoire de main. Vous avez vu les films que j'ai mis sur YouTube, Ah hein? ouais. C'est quand même assez impressionnant Ah oui, parce quand que. ils comptent sur leurs mains, leurs pieds, le pied Oui, du voisin. mais aussi avec les graines, quand ils disent, ah ben, il y en a une, et puis après il réfléchit pendant 5 minutes pour dire, ah bah ben, oui, il y en a peut-être deux. Moi, j'ai trouvé ça très, très émouvant et très intéressant. Alors en fait, j'ai regardé le Mundurucus et j'ai essayé de voir si on est très très différent des... Mais je crois pas. Par exemple, je me suis intéressée au suffixe eury, qui est drôle en français. Alors vous avez rêve, un rêve, des rêves, ça va, mais rêverie, Une rêverie. c'est bizarre. Et vous avez ça au singulier, vous? Une rêverie. Une rêverie, des rêveries. Moi, j'ai l'impression que je peux le dire au singulier. Oui. Non? Je ne sais pas. Moi, je le préfère au pluriel. Des rêveries? Beaucoup. En tous les cas, je dirais les choses comme ça, c'est que même si c'est au singulier, j'ai l'impression que c'est un pluriel. En tout cas, oui, c'est vrai. Une rêverie, c'est on Oui. divague entre plusieurs Ah, rêves. voilà.